Merci à Rémi. Et salut YouTube! Salut YouTube, regarde ce chat qui t'accueille! Ce chat qui est là, qui t'accueille, mais qui va bientôt disparaître, hélas, car nous rejouons encore Jacob et Ezo. Et cette fois-ci, ça va chier. Je sais pas vraiment pourquoi je dis ça. On verra ce qui se passera, mais on va essayer à nouveau de faire des dinguerises. Jacob et Ezo, ça s'est bien passé tout à l'heure, y'a pas de raison que ça se passe mal maintenant, quoi. Allez, salut YouTube. Enfin, salut à Twitch. Moi, je les vois toujours, mais vous non. Parce que du coup, vous verrez mieux les objets sur ma gauche, hein, je pense. Ok, alors qu'est-ce que je viserai là? On va voir, si j'ai un start monumental, on vise le boss rush. C'est monumental. J'ai eu pop tout à l'heure, c'est un signe. C'est un signe. C'est... Ou un canard crevé, je sais pas. Mais c'est un oiseau qui est sur l'eau, quoi. En vrai, ça peut être énorme, hein, cet objet. En vrai, là, du coup, ce qu'on va faire, c'est du coup, avec Ezo, on va prendre tout ce qui est bien. Avec Jacob, on va prendre tout ce qui est tout ce qui pourrait éventuellement comboter avec Pop. Ouais, je vous jure, la partie va être extraordinaire. Vous êtes juste pas prêts. Hein. C'est les strats émergentes. C'est un petit peu les strats... les strats New Wave. Chichayu, vous voyez, il ferait pas ça, par exemple. Mais... moi, justement, j'innove. Pas forcément les meilleures idées. Mais... On innove. Ici, c'est l'innovation avant tout. L'iPhone ne s'est pas fait tout seul. Hein. Je suis un peu le Steve Jobs de The Binding of Isaac, sauf que j'ai pas encore réussi. Ah, du calme, du calme, du calme! Du calme, pitié! Pitié, pitié! On comprend rien là, on comprend rien. Et tout explose, au secours. Très bien. Oh, ça va, c'est petite cornasse! Petite cornasse! Petite cornouille, c'est gagné sa petite cornouille, c'est easy. Imperdable. C'est un signe et la partie va être énorme. Vous êtes pas prêts pour cette partie. Bon par contre faut bouger. Ok. Oh, box énorme. Ça c'est pour réseau ça. On va le donner à Jacob, parce qu'il a pas de tueur gris. Broken padlock, c'est quoi déjà ça? Doors key blocks and golden chest can be opened with explosions. Oh, c'est bien ça. On va le garder. Tempérance, on s'en fout. Et ça, ça tire up, ça on la connaît. Ah, je me suis peut-être trompé de partie, du coup. Ok, il est temps de prendre une décision. On va clairement pas faire, faire l'étage alternatif. Hein. Très clairement, on va... pas avec ça, hein, pas avec ça. C'est démentiel. C'est démentiel ce qui se passe. Bon bah ça chier. C'est juste à chier. Eh merde. Alors peut-être que le magasin pourrait s'avérer utile. Peut-être le droit d'y croire. C'est réel. C'est réel. C'est absolument réel. Ce qui se passe existe. Toujours dans l'esprit du plaisir. Alors non, du coup. Après, je peux le mettre sur lui en attendant. Est-ce que ça... Attends. Bon, on verra. Bah, c'est Galacta Killer pour le Prime. J'ai mal. J'avais oublié que j'avais mal à la main. Enfin, au doigt. Et comme du coup, c'est exposé, je me suis fait mal en faisant ça. Donc du coup, je dois rester vulnérable face au moustique. Très bien, très bien, très bien. Rappelle-moi ton prénom, Sébastien. Très bien. Ouais. Attends, deux secondes. Le cœur rouge, je m'en fous, non? Alors que, cette salle secrète, c'est important pour moi. C'est peut-être réellement important, attendez. Ah, il y a moyen de se faire un peu de blé, là. Effectivement! Le blé est présent. Le blé est présent, c'est pas mal. On y va. C'est gagné. Jacob et Ezo, ce berceau de con. Ah, c'est berceau de con. Les bisous Beatles, ça va, tu vas bien. Ah, mais on a bien un niveau vie, là.
Pas mal, pas mal. Bon, en vrai, pour l'instant, ça se passe bien, non? Pour l'instant, on peut dire que ça se passe bien, je pense. Vous êtes pas prêts, hein, j'ai les strats, hein. J'ai une strat émergente, mais j'ai une strat. Ok, j'ai qu'une seule bombe, du coup, je vais attendre. Oula, pas très agréable, ces petits loustiques-là. Concentre-toi. J'ai une tempérance pour l'argent, si besoin. Ok. Bon bah alors, le mieux, ça reste encore le... Toujours dans l'esprit du plaisir. Hein? C'est toxine. Attendez, Ah mais on peut plus tricher et aller sur deux en même temps là? On peut plus tricher au jeu? Mais non, mais ça c'est quoi l'intérêt de jouer alors? Parce que je jouerais si j'ai plus le droit de tricher. Non, là c'est honteux là. Non, là je revends le jeu là. Je me fais rembourser sur Steam, je pense que 2000 heures j'ai le droit encore. Non, mais là c'est dégueulasse. Si je peux plus tricher à mon jeu préféré, comment je fais? Tiens. Alors désolé frérot, tu vas prendre pour tes ancêtres. Ok. Récupère. Tous les membres de ta famille ont pris cher. C'est comme ça. La vie est injuste. Merci, j'ai pas vu. De chocolat où je mange, moi. Quoi? Tu veux un cookie? Ah, oui, je veux bien. Oh oui, de ouf. Ah, de ouf, mec. À la limite, tu le coupes en deux, hein. Coupe-le en deux, frérot. Je prendrai la moitié. Des bisous, Chama. Ah, Baby Plume, est-ce que je prendrais pas son activable, par hasard? Ah, mais va esquiver Baby Plume à deux persos, quoi. Salut, mec. Tu vas bien? Ouais, moi je crois en lui, moi. Je crois en Baby Plume. J'ai envie de lui faire mal aujourd'hui. En plus, s'il est à chier, je peux le reroll. En vrai, c'est pas drôle. C'est pas très normal. En vrai, c'est une bonne technique. Je le prends et je reroll jusqu'à ce que ça soit un bon objet. Hein. Et en vrai, il y a une vraie strat. Je le reroll jusqu'à ce que j'ai un bon objet. Oh, les ongles de Yep de maman, là, c'est plutôt crevé, hein. Pourquoi j'ai pris... Je voulais faire God Deal. Pourquoi je suis allé là? Putain, en plus, c'est le bug de l'item tracker, là. Oh non, mais en plus, c'est à chier des bulles. Oh non... Non, non, non... Oh, j'ai waste la partie. Non, vous inquiétez pas. J'ai quand même... J'aurai quand même le God Deal au prochain, vous inquiétez pas. C'est maîtrisé. Ok, allez, hop. Super, j'ai le D1, maintenant. Énorme. Énorme. J'y retrouverai. Enfin le reste. Bon, c'est pas... On va clairement pas viser le boss rush dans cette partie, hein, je vais pas mentir. Pour une raison assez évidente, de stuff à chier. Malheureusement. Mais c'est un stuff qui fera ses preuves, mais plus tard. Juste voilà, faut lui laisser un peu de temps, mais il fera ses proches au jeu. Faut juste y croire, assez fort, et ça arrive. Le D1, c'est celui qui multiplie un trinket, pas un trinket, un pick-up. Oh, mais quelle horreur cette salle avec le Jacob et Zoziz. En fait, ça va. J'aime bien me plaindre. Lord of the Flea. Ouais, Puff of Fly, pourquoi pas, en vrai, hein. Il existe. Il existe juste, quoi, c'est... si quelqu'un doit devenir Lord of the Fly, bon, allez, Ezo. Tu prennes un truc au bout d'un moment, quoi. Et bien sûr, comme un connard, je fais la salle dans le sens le plus long. J'ai pas de clé. Je pourrais l'ouvrir avec une bombe, non? Je sais plus. La salle de challenge, je peux l'ouvrir avec une bombe ou pas? C'est quoi ça? The sang de la vanne. Très bien, très bien. Mmh... D1.
Des chances que la salle secrète soit là. Aucune chance qu'elle soit ici, déjà, ça c'est sûr. C'est au bout d'un moment, il faut que je l'ouvre, hein, par contre. Ok. Toujours le macadamia de Starbucks, c'est mon New King. Le macadamia est trop bon, hein. Le macadamia est très très bon, mais... De toute façon, de manière générale, ils sont tous bons. Door key blocks and golden chest can be opened with explosions. Oh, ça vaut le coup de tester, alors. Si je peux l'ouvrir avec ça... Après, peut-être que j'ai mal visé. Mais je pense pas. Je pense que ça peut juste pas l'ouvrir, celle-là. Je regarde, je garde ça. Par contre, en vrai, j'ai très très envie d'ouvrir le magasin, mais... je vais jamais y arriver. Non, je vais jamais y arriver. Avec les blocs, là... 100% j'y arrive pas, et en plus... Bon, après, quel joueur de Isaac serais-je si j'essaye même pas? Ok. Voilà. Non, on fait croire. Restocker. Restocker, c'est pas mal, mais... C'est pas non plus l'objet du mois, mais après, bon... Si, quand même. Ça pourra s'avérer utile un jour. En vrai, ne serait-ce que là, pour la clé, par exemple, la 3, déjà, c'est pas mal. Mais non, mais c'était pour Ezo, connard! Attends, laisse Ezo prendre un petit peu sa vie en main. Merci. Je suis dégoûté. Bon. Pas forcément oufissime ce qui se passe, mais... On verra, on verra. J'ai une The Sun si besoin. Je pense que je peux tenter l'étage alternatif là, on est sur un banger en termes de... Non, on va juste faire Blue Baby là. On va faire Blue Baby et si on a de la chance, on pourra éventuellement tenter Mega Sat, mais j'y crois pas. Oh, il fait chaud sa mère. Je vais augmenter mon... je vais augmenter mon petit... Ah ouais. Je sais pas si vous l'entendez, mais je vais augmenter. Jacob essaie déjà de tuer Ezo. Tout le monde essaie de tuer Ezo. Tout le monde doit prendre sa place. C'est Nagui qui l'a dit. Ok, alors il est temps. Range up x2 du coup. Et lui, il peut doubler un truc. Bon, peu importe. Hein. Super, j'ai le D7 maintenant. Ça chie, mais on pourra servir un choix. Du coup, ça ferait quoi là? Je gagne range de baiser. Ah mais du coup mes tirs jamais ils s'en vont là. C'est ça l'histoire? Ah non mais pas du tout, ça change rien. Oh, ça chie. Chie les bulles. Chie les bulles. C'est énorme. Oula! J'ai pas vu lui. Pour l'instant c'est juste énorme. Intéressant. T'as une configuration où je joue tellement bien que j'arrive à voir tout. Regardez. Jamais de la vie. Voilà. C'était l'autre configuration, ça. Ah, puis en plus, j'ai bloqué le cœur blanc. C'est-à-dire que je suis obligé de passer sur les pics maintenant. Voilà. Ça, c'était l'autre configuration. C'était pour vous montrer les deux. Actuellement, c'est plus The Sun que The Sun. Hein, mais... ah, j'avais oublié qu'on pouvait se faire shake perso hein, depuis la dernière partie. C'est légendaire.
Doucement, doucement, doucement. Calme-toi. Mais nique ta mère! Arrêtez, arrêtez de vous spitter tous les deux là. Soyez en accord avec vous-même, s'il vous plaît. Donnez-moi des bombes. Non, arrêtez de vous splitter, par pitié. Je l'ai. Qu'est-ce que... Ah oui, d'accord, il y a un caca là. En vrai, c'est 5 bombes pour 7$. Et j'aurai un autre objet en réduction juste après, donc c'est pas mal. Hein. Ça se dit pas non. Plus de ça, en l'utilisant une fois, je peux le reroll. Oh là, oh là. La cure batterie, let's go. Attends, du coup... Oh, tiens, en plus, on sait qu'il y a la secrète ici. Et du coup, c'est devenu la machine à sous. Du coup, je l'utilise une fois. Et ça devient l'appel, c'est à chier. C'est à chier, mais c'est là, quoi. Principal. Ok. Oh, j'ai bien lock-up, hein, non? Pas du tout. Je suis bourré. C'est... on fait ce qu'on peut, hein. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on n'a pas. Par contre, en vrai, ouais, je vais carrément utiliser carrément prendre la carabatterie. Hein. Ouais, là, que ça commence un petit peu à bien faire. Du coup, toi, reprends ça. Hein. Non. Ezo, pitié. Oh, s'il y avait un moyen de bouger Ezo sans Jacob, ce serait tellement bien. C'est incroyable. Non, c'est pas incroyable du tout. Donne-moi une seule, donne-moi une bonne récompense. Oh merci. Il est là. Tu vas bien? Go, mate. Tu vas bien? Bah ouais, je prends mon train early. Ah nice. Comme merci le frère. À partir de 18h, les gens, c'est comme mon skill sur Final Fantasy, ils disappearent. Et quoi? À partir de 18h, les gens, ils ont disparu quoi. C'est comme mon skill sur Final Fantasy. Ils sont partis. T'as vu, j'ai les nouvelles pailles. Donc, les pailles pour Bubble Tea, elles sont magnifiques. Vraiment. Quoi genre... Elles ont des couleurs à tout. Ouais, et genre des plusieurs couleurs. Ah ouais. Ah putain, c'est incroyable, c'est arc-en-ciel. Ouais, mais je crois que ça se voit là. C'est arc-en-ciel ou pas? Bof. Oh, un petit peu, mais, un petit peu. Mais c'est trop, voilà. Mangez partage un peu avec le chat. Partage un peu avec le chat. Pour vous, ça. Merci beaucoup, mec. Pas de soucis. Ah, là, je peux pas perdre la partie, là. Je peux plus perdre, là. Les gens vont se moquer de moi quoi. Chance to shoot to steers. Chance to spawn a pedestal item when getting hit. Gets destroyed afterward. En vrai, du coup, ça double mes chances d'avoir ça. Est-ce que ça les quadruple avec carbatterie? Toujours dans l'esprit de plaisir. Merci Lynx. Éclaté, hein, pas obligé d'être là tous les lives. Pas obligé d'être sub T3 à la place, du coup. Mais bon, le T1, on accepte. Je rigole, bien sûr. Merci beaucoup. J'adore ma vie. Tiens, hop là, on recommence. Comme ça, au moins, j'ai un nouvel objet. Ah, Kamikaze. Ah merde, je suis obligé de l'utiliser pour le reroll. Après, il y a l'option où je. Yes, c'est pour Biborat, c'est que parfait, chochies. Je déteste ça. Hein, s'ils pouvaient tous les deux voler là, ce serait incroyable. Wishbone, yes. Bah, et Wishbone, Merry Christmas, hein, qu'est-ce que je te dis, moi Actuellement, la partie est à chier, hein. Je tiens à le préciser pour ceux qui n'ont pas l'œil. Pour ceux qui n'ont pas l'œil, qui n'ont pas la culture de The Mining of Isaac, là, on s'emmerde. Il y a l'option, je vais prendre l'appel, hein. Il y a cette fichue option, hein. Il y a l'option où je vais prendre l'appel, parce que là... Oh, il y a même une option où... Ah non, j'allais dire, je prends... Si je prends la Bible et qu'elle est reroll, est-ce que j'ai quand même le 1 sur 3 de Bookworm? Ça, c'est une question pour vous qui êtes chez vous, qui connaissez bien le jeu. C'est pour ça que je suis tout le temps là, je veux pas sub T3. Pas mal, ça me l'a pas mal. Très bien joué de ta part. Hmm.
Il me semble, oui, je pense que oui, mais pas sûr. Oyu. Ah, y'a Oyu, cela dit. Prends la pile alors, ça, que je peux prendre la pile aussi, pour directement reroll. Mais en vrai, je pense que je vais juste démonter ma machine de dons et prendre la. Et prendre la bubble. Prendre la bubble. Comme ça, au moins. Prendre la bubble. Hop. On l'utilise. Merde. Oh, parfait! Bizarre! Ah, mais du coup, ça l'a désintégré, ok. Spawn one extra bomb for each bomb. Oh là, putain! Je vais avoir 3 bombes. Attends, c'est juste un test, hein. C'est vraiment. C'est pour un ami. Là, ça fait quoi? Ça fait combien de bombes? Plutôt pratique, ouais. Plutôt pratique. Bon, heureusement qu'on a débloqué Better Keeper, hein. Mais c'est vrai qu'en plus, je peux en acheter à l'infini. C'est vrai que je chope infini, moi. Tendance à oublier cette info, là. Ok, du coup, on reprend ça. Va acheter ta batrouse. Faire un trou là, hein, faire un trou là. Que ça chier. Oh, un autre bouquin. Énorme. Alors du coup, attends, peut-être qu'il faut que je refasse comme ça. Mais non, mais ta mère. Ta mère, l'amertume. Alors, je le retouche pour être sûr. En vrai, le bouquin, c'est pas mal, j'ai presque envie de le garder. Mais la triche, oui, mais j'ai le droit. Presque envie de le garder, mais en même temps, je peux avoir mieux, hein. Ah, ça c'est grâce au cookie, hein. Tu nous dis que ça c'est pas un True Diamond, ça. Toi, Spades. Ah. Moins bien, mais pas si mal que ça non plus. Oh là, let's go. Je réfléchis à ce que je pourrais faire. Bon, ça commence à coûter cher. C'est quoi, c'est The Devil? Ouais, The Devil, c'est pas mal. Je vais prendre à toi. Je pense qu'on peut en rester là. On peut en rester là et on verra au prochain shop. Il y a des sacs que j'ai pas fait, on va les voir. Cette partie n'a déjà plus aucun sens, non, ça va. Oh, une pilule infinie, gros, c'est tentant, ça. Oh, une pilule infinie, putain, si seulement j'avais... Ok, bon, tu sais quoi, allez, hop. Attends, on va regarder là, quand même, avant. Voilà, toi, Spades. Et on va prendre la pilule infinie pour plus tard, si jamais j'arrive à avoir PhD. Oh, la merde. C'est vrai que par contre, en termes de DPS, hein, voilà, dans le shop on se sentait trop bien, mais c'est vrai qu'une fois qu'on est sur le terrain là, voilà, c'est un peu Jeff Bezos à la guerre, quoi. T'es chez toi avec tes milliards, t'es confortable et tout, mais tu vas sur le terrain d'un coup là, ah bah tu fais pas la même tête, hein. Oh là, la catastrophe. Oh, j'avais pas fait le boss. Oh, j'étais persuadé de l'avoir fait. Quelle merde à chier. Je suis une merde. Oh, je suis une merde, mais un étron sous forme humaine, quoi. J'étais persuadé de l'avoir fait. Ah non, mais là j'ai de choke, là. C'est terrible ce que je viens de fournir. Super. Zampresse, ouais. Rien de presse, effectivement. Oh putain, l'enfer. Morsel Art Drop, en vrai, là, du coup, ça vous montrait de ouf, non? Je sais pas. La cravatastrophe. J'aime pas la cravatastrophe pour autant. Bon. Bon, par contre, frérot, tu es cringe.
Là, clairement, notre stuff est cringe. Oula, 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 oula. Calmos. Calmos, Nikos. Calmos, Nikos. Ça va, mec? Ok, des petites bombes là, ça fait faire du bien. J'ai 5% de chance, moi j'y crois. 5% de chance d'avoir soit un God Deal ou alors 5% de chance d'avoir un Devil Deal. 10%, virgule. Non, j'ai 11,4%. Oh, c'est gagné contre lui, c'est gagné. Pas du tout. Ne vous désolidarisez pas, c'est tout ce que je vous demande. Oh, quelle vie! Quelle angoisse! Ce que je vous demande, c'est de rester unis. Bah, je déteste ma life. Mais c'est vraiment pas parce qu'ils sont pas restés unis, c'est juste parce que j'ai joué comme une merde. Horrible. Absolument horrible ce qui se passe. Oh, putain, merci. Hein. Par contre, ça, c'est bien. Alors, pour qui? Pour qui la bonne tambouille? Est-ce que c'est pour le monsieur connard avec ses yeux qui flottent partout? Ouais, en vrai. Hein. En vrai, ouais. Que des trucs de fou. Hein. Ça fait tirsap, ça. En vrai. En vrai, est-ce que avec mon objet actuel, c'est pas si mal, en vrai? Oh, les strates émergentes, là. Oh, les belles strates émergentes que je vous propose. Les belles strates émergentes que je suis en train de vous proposer sur la... sur cette chaîne, là. Ouais, ça fait un bon tier zap, hein. Quoique, j'ai l'impression que ça le double pas vraiment. Un peu deg. Bon. Ah, c'était bien le truc des bombes. J'aurais bien aimé avoir. Oh, le smelter là. Pff. Double objet smelter plus. Plus Mom's Trinket Box là. Avec. Putain, je rêve de cette partie. Hein. Mom's Purse. Mom's Trinket Purse, Mom's Trinket Box, pardon. Le double objet et le. Et une pipe, hein, pendant qu'on y est, une pipe et un Mars. Bon. Parti à ta chier. Cette partie à ta chier, mais ne demande qu'à devenir meilleur. Ah, moi aussi je demande qu'elle devienne meilleure, je vais pas vous mentir là. Et si je demande que ça là. Arrêtez, laisse-moi tranquille. Ça marche, hein, ça marche. Hein. Ma strat est énorme. C'est inratable actuellement ce qui se passe. Victoire garantie là actuellement. Là je bats Delirium là. Il est pas censé exploser, lui? Ah, oui. C'est long, hein. Ah mais oui, c'est parce qu'il attire les ennemis sur lui, je crois, à la base. Je m'en sers jamais de cet objet. Personne s'en sert, on est d'accord. C'est un non-objet. Il est implémenté dans le jeu, mais tout le monde s'en fout. Tout le monde ferme les yeux. Comme ça. Non. Un moment Beyond replace Alpicup spawn with random Picup. Hein? Bombs and hearts are most common. Ok. C'est-à-dire. On a plus de. Grosso modo, ça reroll d'avance les pick-up. Et. C'est à chier, enfin, je comprends pas. Par contre, ça en vrai. Oh, le sigil of Baphomet. Bah après, avec deux persos, c'est un peu inutile. Avec deux persos, c'est un peu à chier. Avec un seul perso, et la Mom's Trinket Box, c'est vraiment nice. Mais là, ça chie, là. Ouais, non. Oh, la chier. Ok.
Message fort pour la jeunesse, ok. Yes, let's go. Comment dire? Je suis très peu confiant sur le fait d'y arriver, mais... J'avais raison, hein. J'étais très peu confiant. Attendez, c'est un peu très énorme, là. Attendez, comment je fais, là? Quoi? Non mais... Est-ce que ça compte comme s'il avait quand même eu Guppy? Pitié, dites-moi oui. Ça, c'est tout ce que je veux savoir. Enfin, l'objet est pas dégueulasse en plus, hein, ce qu'il a. Ce qu'il a est pas dégueulasse, je suis à deux doigts de le garder. Je suis pas du tout en danger là. Sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi. Trouvez-moi quelque chose. Il faut un magasin en béton armé, là. Pourquoi tout est à chier, là? Pourquoi everything is à chier? C'est-à-dire, je conserve mes 18% de chance d'avoir un deal. Là, la partie est lancée. La partie bat son plein, là. Là, on a vraiment beaucoup d'espoir. Là, je suis à deux doigts de garder l'objet, en vrai. Hein. Il est vraiment pas mal. Mais, en même temps, si on peut avoir mieux... Une golden bomb? Dommage. Dommage que je puisse pas voler. Hein. Le deck qui reroll les ennemis, let's go. Après, rien m'oblige à l'utiliser dans une salle avec des ennemis au final. Ok. Oh non, pas lui. Oh non. Ouais, mais non, mais non, mais on t'a rien demandé. Oh! Oh le clutch! Le clutch de l'os. Et ouais mon pote, j'ai un os, tu vas faire quoi? Je vais me retirer dessus, je comprends. En vrai, logique. Arrête. Mon niveau de jeu est juste énorme, c'est faux. Ok. Il faut me donner quelque chose de bien par contre. Lucky Rock c'est sympa, mais ça remplace pas un Tears Up. Très clairement. Après, ouais non, pour l'instant non. On garde. Faut pas y avoir un rocher là quelque part? Pitié. Que je puisse utiliser mon bracelet de force en fait. Là on gâche du temps là. Le temps c'est de l'argent. J'adore l'argent. Ok. Yes. Voilà, tête à gauche. Oh, j'ai la box of everything. Hein. Box of everything, c'est pas si mal, mais... On va essayer d'avoir une dingouze, hein. Donne-moi un caca, vas-y, c'est rigolo. Allez, je fais un caca. Le Berserk mode, bon, à deux, c'est chiant, quoi, encore une fois. Encore un objet qui pourrait être bien tout seul, mais à deux, relou. L'argent, c'est la vie, ne vendez pas votre argent. Finalement, quand on achète quelque chose, on vend de l'argent. C'est un peu vrai. Du coup, il faut qu'il se remplisse. Il se remplit au fur et à mesure des dégâts, lui. Je crois que je viens de voir le cul de Shaima. Je crois qu'il m'a montré son cul sans me demander avant. Ah, le DPS, en tout cas, est insane. Hein. Si vous n'avez pas l'habitude de The Binding of Isaac, dites-vous que là, c'est... Personne n'a jamais une meilleure partie. Hein. C'est énorme. C'est... Ah ouais, c'est... Là, on s'éclate, là. Moi, je ressens de l'amusement, là, tout de suite. Malade ou quoi? Je te montre... Je
Jamais, jamais, non, mais ouais. Ok. L'amusement est maximal, là, actuellement, regardez. Increases part size. Ah, j'avais vraiment besoin de ça, je pense. Le glace canon. Le glace canon. En vrai, contre le boss. Mais attends, en vrai, c'est énorme, ça. Est-ce que ça passe déjà au travers des cailloux? J'avais fait gaffe. Ça passe déjà au travers des cailloux, donc on va le faire avec Ezo. Ganon. Ganon, c'est fidèle. Très belle imitation, hein. Je sais, c'est impressionnant. Je sais, ça. Attends, y'a pas un mec à tuer là? Ouais, toi, t'es mort, toi. T'as par contre Ezo, il est dans les pires cauchemars. Les pires cauchemars sont constitués de Ezo directement. Reduce the deal prices from 2 hearts from into 1. Bah, du coup, ils sont gratuits là! Pas pousser mémé dans les orties avec un cheval, hein. En vrai, par contre, un petit peu d'argent, hein. Un petit peu d'argent. Attends, pas que je me trompe. Je sais pas pourquoi je crois en moi, mais je crois. Luck up, let's go. Ça sert à rien pour le moment, mais un jour. Un jour peut-être. Maybe one day. Pourquoi je l'ai pas? Ah ouais, bah je comprends pourquoi je l'ai pas. Oh, ce serait con quand même de se maîtriser. Bah, au final, j'étais remboursé. J'étais remboursé, j'ai gagné de l'argent. L'important, c'est de gagner de l'argent. La chose la plus importante dans la vie actuellement. Salle super secrète aussi. Bon, ça peut être partout en vrai. Ouais, je trouve la salle secrète aussi, hein. Ah bah non, bah, du coup, la salle super secrète est vraiment là, je pense. Forcément, moi, si on me demande de m'amuser, je m'amuse. Hein. T'as le secret ici ou pas, hein? En vrai, y'a moyen. Hein. Tac. Hop là. Ok. Bah, ça tombe bien, j'avais pas de mendiant à buter. Moi qui adore buter les gens. Oh quoi? Mais non, mais putain! Il est de retour. Oh, l'idée. Johnny a l'idée. Oh merde. Je ne crains rien, j'ai mon boomerang. Boomerang, boomerang, miroir, miroir. J'ai le D10. Le D73. Le D20 plutôt. Ça je voulais dire, mais. Putain, ça me donne envie de refaire du jeu de rôle. Je parle pas d'un jeu marrant. Je parle d'un RPG sur le papier, quoi. Jamais. C'est très intéressant tout ça, merci. Bon bah on a farmé, ça a marché à moitié, mais ça marche quand même. La partie énorme, hein. En tout cas en termes de DPS là c'est. Jamais vu ça. Gurdige. Bon, en vrai Gurdige avec ce stuff c'est gratos. Pas du tout. Il va faire des rebonds aléatoires, ça va être horrible. Il va faire des rebonds aléatoires sur mes larmes là, je vais adorer. Vas-y, crève. 22% de chance de Devil D, c'est là. Je vous ai pas dit où. Je vous dis que c'était là. Énorme. J'adore cette partie en tout cas. Là, je vise le boss rush là. Il y a Altar qui voulait t'inviter pour un JDR d'ailleurs, il me semble. Est-ce qu'on m'a invité? Moi j'ai pas reçu, j'ai pas reçu le carton. J'ai 100% de chance, il faut vraiment pas que je fasse de la merde, pitié. Non, ça devrait jamais arriver ça, impossible. Ça serait du jamais vu. Tu vois, je vais regretter ce cœur, je sais pas pourquoi.
Oh non, pas eux. Ah non, c'est bon, c'est pas les horribles. Ils sont chiants quand même. Il est où? Il est là. C'est pas ceux qui font un milliard de petites araignées là. Très agréable cet étage, on voit rien du tout. C'est quoi ça? Mom the lock. Each room grants the effect of a random item. Ouais, énorme. Quand tu veux, hein, tu me donnes un bon trinket. Sachant que tu m'en donnes deux à la fois, toutes les quatre salles. Ce serait peut-être temps qu'il se passe un truc, quoi. Ce serait peut-être temps que je joue bien aussi, mais ça, c'est une vraie histoire. C'est-à-dire qu'on s'est amusé tout à l'heure avec eux, quoi. Je pensais que c'était possible. Je pensais que tout était autorisé dans la vie. Je pensais que le plaisir était à ma portée. Ouais. Bah, énorme. Je viens de me faire harceler directement. C'est. Je viens de vivre la vie de millions de personnes. Arrêtez le harcèlement, s'il vous plaît. Bah, génial. Non, mais après, 18% de chance, c'est aussi pas mal. Ça se joue. Mais vraiment, je passe à 18% pour toute la ville, hein. Je vais te prouver. Non, mais de toute façon, cette partie est à chier, et le joueur aussi, donc là, c'est compliqué. Là. Et moi, je peux pas bien jouer si j'ai pas un bon stuff. C'est comme ça, c'est normal. C'est ma façon de jouer. Hélas. C'est mon playstyle, hein. Faut pas critiquer mon playstyle, c'est tout. C'est une stratégie comme une autre. Stratégie très basée sur la chance. Non, mais au bout d'un moment, stop! Stop! Il y a des trinkets bien dans le jeu quand même, vous êtes au courant? Vous êtes au courant que ça existe? Parce que les gens vont finir par croire que le jeu est horrible. Que non, quand même. Voilà, pas le style. Ok. Je prends le curry. Voilà. Il serait temps d'avoir un magasin aussi. Hein. C'est pas une critique. C'est un souhait. Mais... Va esquiver ça, là. Chiyu l'aurait fait, même. Bien sûr. J'ai vraiment fait les strats émergentes, quand même. Ah, j'ai... Mais attends, du coup... Attends... ça va pas, genre, faire glitcher le jeu, ça? Bon, j'en ai rien à foutre. Bah allez, du coup... Mais du coup, ça chiait. Du coup, ça chie. Du coup, c'est un rerollable. C'est un rerollable. Je peux pas le reroll. Mais j'en ai marre. J'ai give up là. J'ai give up. J'ai absolument give up. Sachez que j'ai give up là. Actuellement, mon cerveau est stoppé. Hein. Mon cerveau n'est plus sur The Man in Isaac. Il est sur une perspective d'avenir où on s'amuse, etc. On rit ensemble. Putain, ça a pris. Bah, énorme. Énorme. Ouais, Jacob. Non, mais là, on a que des bons objets pour le moment, c'est assez extraordinaire. Bah, c'est irrollable. C'était stratégique. Pas du tout. C'est vraiment parce que juste. J'ai vraiment give up hein, dans ma tête. At the beginning of each floor spawn 4 bouts of. En vrai. En vrai, du coup, j'en aurais 8. C'est pas déconnant. Le magasin! Juste un magasin. Un magasin et on n'en parle plus! Un magasin, l'objet qui rend tout gratuit, et voilà quoi. Vous allez voir que ça va être super rire le magasin et on va tous passer un grand moment. Moment de rire intense hein, d'ailleurs. En vrai, après, je pourrais jouer. Je pourrais juste jouer la hors-glace, hein. Je pourrais jouer le sablier bleu, hein. Putain, mon DPS vraiment est insane actuellement. Justice, point d'interrogation. Spawn entre 2 et 4 golden chests. Bah, c'est parti pour une justice, point d'interrogation. Ah bah, j'en ai joué les 4. Et bah, let's gong. Ok. Ah bah, enfin, un peu de plaisir, putain. Je trouve que c'était plus possible, moi. Karma. Ouais, bah du karma, j'en ai pas beaucoup là depuis tout à l'heure. Le stapler, du coup. Ouais.
Qui c'est qui veut le stapler? En vrai, Ezo, là. Ezo, il a besoin un petit peu de dégâts. Oh, non, mais Ezo, par contre, faut arrêter de vivre, là. Non, mais c'est... Frérot. Frérot, c'est pas possible. J'ai jamais vu un mec faire autant peur de ma vie. Regarde-moi ça, quoi. Regarde-moi ce mec. C'est Halloween, quoi, là, les gars. Calmez-vous. C'est le duo Halloween horrible, là. C'est deux enfants de 8 ans, là, qui ont des parents... des parents alcooliques, là, qui sont partis en dépression, et qui ont besoin de... Voilà. Qui ont besoin de tout balancer à Halloween, quoi. What a life. Énorme. Putain, mais en vrai, cette carte dans le chest, ça doit être immense. Bah après, de toute façon, j'irai pas dans le chest dans cette partie, donc c'est pas grave. Mais... Oh, la salle horrible. J'aimerais que ça se... Ouais, j'aimerais que ça se fasse. Tu vois, on change voilà, comme ça. Ah, tiens, merci. On voit la différence, hein, quand même. J'ai beaucoup d'argent. Le magasin. Juste le magasin. C'est de là. C'est pour augmenter mes chances dans quelqu'un, là, les taf. Magasin. Juste un petit mag. Plan de retraite. Comme ça. Tac, comme ça. En vrai? Comme ça au moins c'est fait. Comme ça c'est fait parce que imaginons que j'arrive quand même par miracle à avoir un devil deal et que celui-ci finalement... attendez. Et que celui-ci contient par miséricorde War of Babylon, et ben je serais baisé. C'est alarmant ce qui se passe hein, sur l'écran là. The Binding of Isaac ne serait pas un bon jeu. Ça vous êtes en train de lire? C'est pas le Treasure Room et un chat dans la cathédrale. Alors c'est sympa hein. C'est sympa. Mais pas là tout de suite là. Après, ok, on va voir le magasin. Le Zagamin là. Oh chier, ça chie putain. Après c'est... Ok. Jacob, tu prends ça. La blue map... blue map en vrai, ouais. Oh là, là je commence à rêver. Là tu commences à me faire rêver, là. Ok. Ah, dommage. Non, parce que le 27, ça commence à être cher, mais dommage. Là, tu commences à me faire bander. Hein. Charge bébé, non, trop cher. Trop cher le charge bébé. Ok. On va jouer le sablier du temps. On va jouer le sablier du temps, finalement c'est pas à chier quand même le sablier du temps. Faut pas oublier que stratégiquement ça peut être énorme le sablier, on peut faire des lingouses avec. Genre par exemple là je peux entrer dans cette salle et si c'est de la merde, je sablier. Je sablier du tentise. Là par exemple je vais sablier du tentiser. Juste vraiment à chier. Comme ça, je perds pas ma vie. Je risque pas de me faire baiser par les monstres que j'ai pas vus. Stop. Il est temps que ça s'arrête. Putain de merde. Putain de merde. Non mais c'est absolument incroyable à quel point j'ai zéro dégâts par contre. Vraiment, mes dégâts sont... inexistants. En vrai, j'ai même pas envie de les prendre, ça. Ok, attends. Ça protège pas d'un Devil Deal, ça? Je pense pas, hein. Je pense vraiment pas, mais au cas où. Au cas où. J'ai pas la méta. Comme mon but c'est la cathédrale, si je peux avoir un shop et un item room à la cathédrale, en vrai c'est pas dégueu. Hein. Je vais où là? Je suis bourré. Quoi dedans là? Ah oui, 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 non, oui. Il n'existe pas. Non, en vrai, maintenant, je ne rêve plus que d'une chose, c'est la... C'est de quoi avoir... on lève la map. C'est d'avoir un shop avec double trinket.
et limite de pouvoir aspirer Mountain Cat. Ce serait vraiment extraordinaire. Mais ça, bon. C'est dommage, le best face, j'ai presque envie de le prendre. Je suis prêt à prendre mon tears up pour ça ou pas? En vrai, ouais. Il faut que j'y pense après le boss. Oh. Ça peut être terrible, ça. Pitié. Pitié à Bravo. What the fuck, pourquoi est-ce que Isaac danse? What the fuck, pourquoi est-ce qu'il danse comme ça? What the fuck, les amis? Putain, j'avais toutes mes chances de dire, je les ai pas eues! Bon, alors, qui devrait utiliser Mouth the Void? Très clairement lui. Très clairement lui. C'est ça que c'est devenu à chier, Mouth the Void. Oh, c'est rigolo! Ok, c'est rigolo. Ah oui, mais... C'est rigolo, mais il faut que je me débarrasse... faut que je me débarrasse de mon Trinket. Parce qu'en vrai... Best Face, c'est quand même vraiment bien. Surtout que là, je devrais en avoir 8. Ça devrait vraiment me le garder. De toute façon, je vais avoir un meilleur Trinket dans deux salles, donc autant en profiter. Allez, et là j'en ai 8 ou pas? J'en ai 8. Let's go. C'est tout ce que je voulais savoir. Ça, en vrai, c'est vraiment bien. Ça va me protéger un peu pour l'étage. Ça va même me protéger un peu les deux persos, hein, donc... Ça suffit par contre, merci. Ah oui, c'est vrai que j'ai ça, j'ai oublié. Qui reste. Ok, okay, j'ai déjà tout perdu. Énorme. Ça chie. J'ai tout perdu. Hein. C'est la preuve que c'était utile. Ok, ça peut être intéressant, ça. Ça peut être intéressant, même... En vrai... Te fous pas de ma gueule, je t'en supplie. Je t'en supplie. De toute façon, si tu te fous de ma gueule, tu sais quoi? J'ai la blue... Ok. Maintenant. C'est pas foutu ma gueule, faut le dire. Ça va vous? C'est un bon moment là ou pas? Moi je m'amuse pas. Voilà, je tiens à vous le dire quand même en toute... Agalas, je m'en bats les couilles. Non mais vraiment, si tu ne donnes jamais rien de bien, moi je me barre, hein. Je me barre avec l'argent. Ok, bah je vais me barrer avec l'argent, hein. C'est ce qui va se passer. Je le sais très bien, c'est ce qui va se passer. Hein. Je me barre avec l'argent. Je peux pas tolérer ça. Très très grave, parce que c'est pas ça. Pas de rocher marqué. Je suis triste. Bah ouais, non, mais après, bon, c'est maîtrisé. C'est maîtrisé. Oh, mais attendez, ça marche vraiment? Ça protège vraiment d'un Devil Zone? Incroyable. C'est lequel qui fait de la merde? Ah, c'est... Hop, comme ça, il est protégé, lui. Et moi, tout de suite, énorme. C'est quoi sa chance pour Devil 10 ou Cost Coins? Attends.
Attends, parce que du coup... Est-ce que... S'ils coûtent de l'argent... Et que j'ai shop infini... Non, ça marchera pas. Ça marche pas, ça. Jamais ça marche. En même temps, mon... Ah, c'est ce que j'ai actuellement, je m'en fous maintenant. On garde. Oh non. Non, pas... Dites-moi que c'est pas par là. Bah, c'est énorme. Tout le monde en DPS est monumental quand même. Hein. C'est agréable en tout cas, j'adore ma vie. Je fais ça pour protéger mes chances de niveau de l'île et vous savez quoi, je vais les perdre instantanément. Ok, je les ai pas perdus instantanément, déjà c'est une bonne chose. Ils se sont séparés, je déteste quand ils font ça, putain arrêtez de faire ça, ne vous séparez pas, vous êtes frères. Oui, attends, c'est lequel? Ok. Oh non. J'attends toujours mon PhD. Hein. Je vais la juste briller. Invisibility lasts longer after getting hit. C'est sympa, mais non merci. J'ai vu le crâne marqué, je m'en fous. Non, je le lis à chaque fois au cas où. Bah merci à tous. Énorme. Très bonne salle encore pour Jacob et Ezos. Hein. Ouais, le harpy, ouais, je pense. Merci au moins, j'aurais pas besoin de le... Shimad fucking beans, what the fuck. Je m'en bats les couilles de ton bean, hein. Chier dans mon bean, hein. Je suis en face de ton bean, moi. On peut plus avoir de crématorium, bien sûr. Des planétariums, on peut en avoir dans The Womb? Je crois pas, non? Je sais plus. Dans le doute, je vais garder mon truc. Ok. Le bonheur est accessible, croyez-y. Je vais vous montrer aujourd'hui comment investir votre argent. Are you footing off my gueule, frérot? En soi, c'est pas chier, mais... Ok, c'est extraordinaire. J'ai rien dit. C'est extraordinaire. C'est extraordinaireissime. Ok. Très bien. Attends. Parce qu'on sait jamais. Ça m'a pas donné des stats. Oh, c'est Ezo qui l'a acheté. Oh, connard. Oh, c'est Ezo qui l'a acheté. Putain. Attends, du coup, un truc. Parce que là, je hors glace. Et j'achète ça. Je vois que j'ai gagné en tears up. Non, j'ai gagné en force et en range. Donc c'est bien. Donc je hors glace. Pas ce que je voulais faire, mais c'est pas mal aussi. Tiens, d'ailleurs, ça me permet de voir un truc. C'est quoi, je vais hors glace. Tac. Et j'achète ça. J'ai gagné en force en vitesse. Ça reste toujours bien de gagner en force, ok. J'ai toujours les mêmes, ok, ça c'est normal. Ok. Là je gagne. Je gagne quoi? Je gagne en force toujours. Bah let's go, hein. Tant qu'on gagne en force, on y va. Hein. Je vais acheter le... Tac. Je réfléchis, hein.
j'achète ça du coup parce que c'est moins cher. J'ai gagné. Oh bah non, bah, j'ai gagné. J'ai encore gagné en force. Bah, let's go. J'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le chat, celui-là? The Stars. Remove the oldest items. Mes deux premiers items avec Jacob, ils sont à chier des bulles. En plus, on a Chaos. Oh là là, on peut avoir des dingueries. Pourquoi ça donne aussi peu là, hein? Oh, tu es cringe? Merci. C'est Jacob. Ok, c'est à Jacob de le prendre. Il a encore bien augmenté, c'est. C'est mort du coup, ça m'a donné les deux trinkets de ma trinket box. Ok. Non, je fais ça et j'ai deux. Oh, pas mal, on voit le trinket là du serval. Et du coup, a priori, si j'utilise The Stars, j'aurai deux objets aléatoires à cause de Chaos. Et en plus de ça, mes deux premiers objets avec Jacob, c'est A-Ball et cette merde. Donc autant vous dire que j'ai aucun regret de supprimer ces deux objets de merde. Parce que là, je suis en Chaos, donc on s'en fout. Je suis en Chaos. Ok. Trop bien, du coup il a des tirs normaux maintenant. En vrai, pas mal. Après, un peu chier, mais... Chance d'invincibilité. Quand on se fait toucher, et transforme les gens en caca quand on se fait toucher. Il y a un peu un thème, hein. Arrête-moi, je regarde ça, arrête juste. Ok. Bon, bah tu sais quoi, toi, tu vas utiliser ça. Ok, bon là par contre, je pense que je vais pas abuser à... Holy card. Je vais pas réabuser, on a quoi là? On a Queen of Hearts, on s'en fout. The Devil et Two of Hearts, ok. On va reprendre The Devil. Et bien sûr, avec... Allez hop, on va se contenter de ça. Par contre, en vrai, du coup... avec Jacob, je vais prendre ça parce que là, du coup ça augmente à quel point mes stats? Ah ouais, ça les augmente. Ah ouais. Ah ouais, il y a une grosse strat. Ah, il y a une grosse strat à utiliser son objet directement dès qu'on est sur le. Dès qu'on est en combat de boss là. Bon. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut faire cette salle. La bonne nouvelle. Trop fort. Voilà. Il m'a fait une concentration hors du commun. Sachez-le. Ok, là en vrai, y a jeu. Hein. Là, tout repart. Tout peut revenir. Les jeux ne sont pas faits. Bah reste bien loin toi. Ok. T'as pas pris le Dingworm? Non mais c'est normal. Je préfère l'objet que j'ai là. Où j'utilise ça maintenant. Non, c'est pas ouf. Comme ça, du coup, j'ai une meilleure puissance contre le boss. J'ai eu ma salle d'objets? Je crois pas. J'ai pas eu ma salle d'objets, hein. Bon, après, c'est loin et je sais pas où je suis, donc... Tant pis. Ouais, ça relance tout, là. C'est pas la même partie, là. On est pas sur la même partie du tout, hein.
C'est tellement pas la même partie, putain, quel plaisir. Ok. Damage up pour Jacob, du coup. Pour notre ami Jacob. Oh putain. Oh, ça va être injouable, mais. Il y a une possibilité de. Ok, bon, on va le faire intelligemment, on va le faire un par un parce que sinon. Sinon, je suis mort. Hein, si je fais pas un par un. Ok. T'as commencé à tout relancer là? On a pas du tout la même game hein. C'est pas du tout la même game. Oh là là là. 58 minutes pour y arriver, mais on y arrivait. Je l'ai pris avec qui? Avec Kez. Avec Jacob. Ok, c'est bon. Je sais pas si ça aura changé quelque chose, mais bon. Putain, on s'est fait chier, mais on aura réussi. Ok. Le truc qui risque de coincer, c'est la vie. Franchement, je sais pas pourquoi, mais je m'en inquiète pas trop. Par contre, Chaos, du coup, ça va, ça a pas trop chamboulé. Ouais. Ok. Je vais tout donner. Je vais tout donner, je vais y arriver. Ça chier. Ils étaient pas coordonnés? What the fuck, y'en a qui allaient dans la contresens? Shift pont. Je suis dégoûté. En vrai, je peux faire ça. Hein. Bonne sécurité ce truc là. C'est une bonne sécu. Avengers rassemblement s'il vous plaît. J'ai mal à croire qu'on est encore en vie. Hein. Je me tire de ça après. Juste comme ça, quoi. Pas ouf, dommage. Je garde ça, bien sûr. Ok. Ce serait peut-être temps de donner des vrais trinkets. Lost Cork. Vous avez vu, faut faire gaffe. Ok. Ouais, pourquoi pas, on peut lui donner. Le donner à moi là. Tac. Je suis concentré comme jage. Concentré comme Jaja. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes sur un Jacob Ezo. Je suis concentré comme Jaja. Parce que la run était à chier, mais elle est devenue presque potable au bout d'un moment. Un peu la haine. Si je repère un point de vie, je hors glace. Bon, je peux le garder.
En vrai, j'aurais dû avoir glace parce que la salle servait à rien en plus. Alors. On va avoir des petits verres. C'est évident. Tout est à chier, hein. C'est impressionnant. Alors, j'ai marqué que je peux pas avoir, dommage. Ah, la salle aurait pu être dévastatrice. Au final, ça va. The world. Ok. Bon, là, si je la joue bien. Mr. Fred, c'est un peu relou là. C'est tout ce qu'il nous a mis là. D'accord, ça les a pas du tout poussés les bombes. Vraiment, c'est le layout le plus relou que j'ai jamais vu pour battre Mr. Fred. Hein. Ah ouais. J'avais vu un layout aussi relou pour se battre contre lui. Ah ouais, on va se faire chier, hein. En plus, comme un connard, j'ai oublié de décharger mon trinket. Mon objet, plutôt. Ok. Je l'ai eu. Non, mais non, mais pas toi. Je l'ai eu, mon combo. Je l'ai eu. J'ai eu mon combo où je peux du coup avoir... Oula. Oh, pas mal. Ah non, merde, c'est Scorpion. Je crois que c'était Virgo. Je l'ai goûté presque. Ah bon, Scorpion, ça reste cool. Hein. Qui a le plus de dégâts? C'est Ezo. Ezo, c'est celui qui a l'air complètement fou. C'est lui. Calme, mais t'es complètement fou. Ok. Il est temps d'aller chercher un trinket qui est vraiment bien. Celui-là. Si j'arrive à le garder, il y a le manger. Miracle que je me sois pas fait toucher. Hein. Ok. J'ai un demi-cœur blanc qui m'attend. Je vais aller le chercher, c'est loin, mais il faut aller le chercher. T'avais pas la tique? Bah la tique, c'est vrai que c'était pas mal aussi, mais... Je vais pas te mentir que là, du coup, comme j'ai la Mom's Box, je vais avoir entre 2 et 8 mouches par salle. C'est pas dégueu, quoi. C'est vraiment pas dégueu. Pour battre les ennemis, c'est pas dégueu. Et si ça chie, je peux reroll. La salle. Hein? D'accord. La tique c'était cool, hein, je l'ai pas, mais à mon avis je pourrais pas en profiter. Bon, pitié. Faut pas que je me trompe. Ouais, c'est à Ezo que je vais le donner. Ezo ressemble plus à Jacob que Ezo. Que Jacob. Ok.
Qui Ezo. Ok. Bon, niveau life, on est toujours pas giga serein, mais... On existe. Bon, ce serait quand même du gâchis de pas y aller. C'est dommage, parce qu'il y a plein de trucs que j'aurais bien pris, hein, volontiers, mais là... Non, quoi. Non. Celle que j'ai, je l'aime beaucoup. Ça vaut pas le coup. J'ai rarement été autant concentré pour une partie de Isaac. Hein. En même temps, Jacob et Ezo, quoi, t'as pas envie de perdre, hein, c'est normal. Hein. Jacob et Ezo, t'as envie d'en finir. Hein. Y'a pas un rocher marqué quelque part? Y'a hélas pas de rocher marqué. Ok. Ça double encore l'effet des trinkets, Mabswax? Oui, bien sûr. Oh non, Curse of the Blind, c'est dégueulasse. Oh, c'est un peu dégueulasse hein, de faire ça maintenant, là. Extra room per... Ah, en vrai, vu que j'ai la blue map, bah je vais aspirer mon trinket à la prochaine room. Ok. C'est bien, on a plein de grosses rooms en plus. Oh la room horrible. Ok, ça va. En vrai, hein, c'est là qu'on voit que du coup, je commence à avoir quand même pas mal de force de frappe. C'est devenu pas déconnant, cette histoire. C'est devenu pas trop déconnant. Un lock-up, bah, pour lui. Qui est déjà à 5. Ok. Butter, ça chier. L'autre aussi. Attends, rassemblez-vous, pitié. Voilà. Oh, encore un petit cœur, ok. Ça sera éventuellement pour plus tard. Je le donnerai bien à Jacob. Je vais rester là. Je les ai vus là, les triple shots là-bas. Je suis pas fan. J'avais dit hein, pourtant que j'étais pas fan. Hein. Je les attends. Voilà. Les intelligents comme ça. Oh, nice. En vrai, c'est intéressant quand même parce que je vais avoir un shop à la cathédrale. Je vais avoir un shop à la cathédrale, donc ça reste intéressant. Ça sert à quelque chose le roi bébé? Non, rien là. Enfin, dans cette configuration, il sert à rien. Ok, le gros virus. Quelqu'un a-t-il une picouse dans cette partie? Pas encore. Du coup, je vais le donner à Ezo. Je vais le donner à Ezo parce que j'ai déjà des effets lorsque je me fais toucher avec Jacob. Logiquement, je crois que c'est lui qui les a eu. Ah non, c'est Ezo qui les a eu. Ah oui, je les ai donnés à Ezo sans faire exprès. Du coup, je vais donner à Jacob. Oui, en fait, j'ai pas arrêté de donner des trucs à Ezo en pensant que c'était Jacob. J'ai pas arrêté de faire ça, mais de toute la partie, hein, vraiment. Parce que je sais pas pourquoi, mais je m'imagine vraiment que Ezo est Jacob, là. Parce que normalement, bon, voilà, Ezo, il est plus rouge que Jacob, et là... Là, Ezo, il est blanc. Donc du coup, je comprends pas. Je crois plus du racisme anti-blanc, désolé. Famoso. Ok. Bientôt pour absorber un trinket.
Faut que j'oublie ça. Pain. Ah, très bien placé. Let's go. More cards. J'ai laissé un trinket utile ou pas? Je sais plus, je crois que oui. J'ai vérifié. Je crois qu'au début, j'avais laissé un trinket utile. Trinket que je voulais garder. Ça reste à vérifier, mais je crois. Ah bah non, finalement, du coup. Pour répondre à ma propre question. Oh non. Ouais, ça commence à être vraiment viable, cette histoire. Hein. Ouh, les trolls-bombes. Intéressant, les trolls-bombes. Forcément intéressant. Oh, bébé charge. Bébé charge, ça peut être très intéressant pour plus tard. Ok. Je suis désolé, on va venir farmer ici comme des connards à la fin. On viendra charger comme des connards à la fin. Pas très accueillant ici. Bah tiens. N'oublie pas ta couronne dans la salle d'arcade. Oh merde, j'ai encore... Oh putain, merci. Putain, j'ai encore pris Jacob pour Ezo, j'en ai marre aussi, putain! Ezo, t'es censé être rouge, pourquoi t'es devenu blanc, là? Merci beaucoup. Du coup, il faut que ce soit lui. Non, mais putain. Merci. Le genre de backseat qui est apprécié. Ok. Je veux la gagner sa partie. Je veux la gagner. Parce que là on peut avoir Blue Baby et Mega Satan si vraiment je m'y prends bien. Non, pitié, arrête. Qui a pris quoi là? Ok, c'est bon. C'est bon. Il n'y a pas d'autre trinket qui est vraiment intéressant là. Bon, à la limite, en attendant, je peux prendre celui-là. Hein. Donc le boss, ça tombe jamais. Ok, intéressant. Vas-y, tiens. Ok, c'est un petit peu secret ici. Let's go. Est-ce que vous m'avez déjà vu autant concentré sur une partie de l'Isaac? Je crois pas. Plutôt, du coup, Jacob. Vu qu'Ezo, il a une protection autour de lui. Ce qui est bien, c'est que ça marche pour nous deux. J'ai perdu quoi, là? En vrai, c'est pas si grave, et je pense que si je refais la salle, je repère mon truc. Ok, après, je m'en bats les couilles. Hein. C'est certainement juste là. Donc je vais attendre avant d'utiliser ma trinket box. Ouais, ouais, je vais la faire. Voilà.
Comme ça, j'ai un objet. Qui est. Tac, on s'en fout de ça. Ok. Comme ça, j'ai un stats up. C'est parti. Ils ont été des synchros et comme d'habitude j'ai encore confondu Jacob et Ezo. Putain! Putain, il était trop bien placé ce bâtard! Quoi? Qui a pris quoi? C'est tellement dur cette phase avec Jacob et Ezo. Impossible. Putain de merde. Putain de merde! Putain! Casse les couilles! Ah, ça me casse les couilles. J'aurais dû utiliser The Devil. Ah, ça me fait vraiment chier. Ah, ça me fait vraiment, vraiment chier. Putain. Il est où le demi-carbon? Il est là-bas. J'ai la haine, hein. Là je suis vraiment énervé. Ok putain, Jacob, pitié. Tout ça parce que je suis pas capable de reconnaître Jacob et Ezo parce qu'ils ont changé de couleur quoi. Et mon cerveau veut pas interpréter et se dire non mais maintenant tu sais qui a changé de couleur. Ben non, il veut pas. Putain, je suis une merde. Bon. Allez, tout est encore jouable, je peux avoir un magasin. Un magasin, une salle d'objets, vu que j'ai un trinket qui m'a le permet. Oh l'arcade. Oh l'arcade quoi, j'ai oublié l'arcade. Aïe 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 aïe. Oh l'arcade, j'ai oublié l'arcade. Ah non mais voilà, dès que je perds les moyens, oh c'est bon, nique ta mère, le jeu. Nique ta mère. Dès que je perds les moyens, c'est fini. Bon, mon truc était un peu à chier, mais bon, j'ai que ça. Allez. Ok, intéressant. On reviendra, on reviendra. Ok, voilà la salle d'objets. Ok, en vrai. Du coup, comme je joue beaucoup l'autre truc, je me dis ça peut le faire. Comme Ezo est plus fort que Jacob, de façon. Hein ? Ok. Ah, mais attends, en fait, ce qu'il fait, c'est que. Il fait son truc et il gerbe. Ah oui, d'accord. Quand tu veux, tu donnes un truc de ouf, hein. Spawn a blue fly when picking up a coin. Putain, mais toi, t'as ça chier. Ouais, c'est avant qu'il fallait me donner ça. Du coup, ça, tu peux le prendre. Ouais, mais ça, on s'en fout. Oh là là là, c'est pas ouf, hein. The Hermit. Du coup, ça marcherait, là, The Hermit. Flatworm. Eh, en vrai, Flatworm. Wailer Larms. Ouais, c'est un peu chiant, ouais. Ok, bah tu sais quoi, hop. The Hermit. Ok, faut pas oublier que... Ezo, donc celui qui a la tête blanche, a les couilles de Keeper, donc s'il achète des objets, il devient plus fort. Actuellement, ça lui ferait pas de mal d'acheter ça, bah. Pour mentir, il y a des grands risques que je pète juste tout mon pognon là-dedans.
Range up, lock up et soul heart. Je dirais pas non à un soul heart aussi. Encore un objet de môme. Après là je m'en fous. Non, on va farmer avec on va farmer avec Hervé. On va survivre là. Ah oui. Ah là, le but est clair, c'est survivre. Hein. Le but est clair, survivre. Ok. Je réfléchis. Est-ce que j'ai pas oublié un truc? Non, pour l'instant ça va. Ça va beaucoup plus vite que ce que je pensais, les lasers, ok. Bon, c'est pas très grave. Ça pourrait être bien pire, on va laisser. Ouais bah reste bien là-bas, c'est bien là-bas. Ok, qu'est-ce qu'on a là? C'est pas le blue fly when getting hit, un peu chier mais bon. Et toi voilà, maintenant on a plus besoin de ça. Délicat sur l'attaque rare, ok là. Très très vieille blague. L'argent. L'argent, mais à quel propos? Alors il y a deux mecs à clé là. Deux mecs qui veulent des clés. En même temps, vu la log que j'ai, ce serait bien que je garde un max de clés pour le chest. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là, oh là, accident. J'ai survécu à ça. C'est un méchant coffre. Ville. Plus un d'attaque, je dis pas non. Plus un d'attaque, pas dégueu. Enfin un bon trinket, putain. On l'aura attendu, hein. Oh là là, oh là là, Ils sont attirés. J'utiliserai vraiment mon... J'ai perdu combien là? J'ai perdu un ou deux cœurs? Je comprends pas. Ils étaient attirés dans les deux sens opposés, j'avais envie de crever. Hein. J'ai pas su réagir assez vite. Oh les traîtres! Faut que je fasse une salle en plus. Pour avoir le stats up. Un seul par perso je crois, ouais c'est ce qui me semblait aussi. Putain, les cœurs gris là. Moi je sais que ça sert à rien mais... Tiens.
Bon. Ça veut dire, on espère que c'est tierce, dialogue frio. C'est quoi ça? Ah oui, ça chie. En attendant l'avoir mieux. On va rester là. Ouais, il peut donner le 50-50 si on a de la chance. Pourquoi je l'ai pas fait avant? Pourquoi je l'ai pas fait avant? Pourquoi je l'ai pas fait avant? Ça aurait été tellement mieux. Bah du coup, Du coup, la transformation maman. Quoi ça? Enemy explode into tears upon death. Ah oui non, je... Ça me trigger ça. Ça me trigger cet objet. Surtout me faire des pièces là. De l'argent, pardon. Je vais surtout me faire de la vie. Tellement simple pour le cœur là. Ça fait mal hein. Ne vous inquiétez pas pour ma machine de loin, c'est pas grave ça. Je sais plus ce que j'avais d'autre comme trinket. Mais on va dire que ça suffit là. Allez. Oh, j'ai rien de bien intéressant. Si j'ai celui-là, ouais, quand je me fais toucher. Allez. C'est parti. Est-ce que plus tu les penches cher, plus ça te rapporte de stats avec des sticky keeps? Je sais pas du tout, j'ai pas la méthode ce truc là. Bah nique ma mère, écoute, c'est ce que je faisais. Quoi? Non mais ta mère, là c'est injouable, c'est vraiment injouable. C'est pas grave, c'est bien comme ça. Oh, j'ai débloqué l'un des meilleurs objets du jeu, The Stairway. Oh, je suis trop heureux. Je me demandais quand est-ce que je l'aurais eu celui-là. Ok. Mais putain, mais j'ai encore pris avec Ezo, j'en ai marre! Putain de merde, j'ai encore pris avec ce putain de con Ezo là. Bon, j'ai 28 clés. Là je m'en fous. Ok, je sais ce que j'ai fait là. D'accord, on ne donne surtout pas un seul cœur. Hein. Ne donne surtout pas le moindre cœur. Ce serait trop gentil. Super.
Oh là là. Mais pas un seul cœur. Je vais câbler. Très bien. Je me demande même pas là pourquoi Isaac il danse là, pour moi ça me paraît évident. Ok, alors par contre je le donne à Jacob ou Ezo? Ezo peut-être, ce sera mieux là pour le coup. Ah mais non! Quoi que si, en vrai. Faut juste que je t'aime bien. Ezo parce qu'en plus ça le rend plus fort. Ok, bon, on va pas aller plus loin. J'aurais bien acheté un cœur gris, mais bon. Nick, hein, comme on dit. Ta mère. L'amertume. J'ai plus de bombe en plus. Ok. Six de lock. Juste 6 de lock. Énorme lock. Je vais le loomer. Je vais le démonter. Il veut quoi lui en fait? Et si tu me donnes que dalle frérot, je me TP. Hein. Je me TP back, hein. Je me TP juste back. Si c'est des bombes, bien fait pour ta gueule. C'est tout. Franchement, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le goût du tout. Allez, je me casse. Salut, loser. On avait vu un autre là-bas. Et en plus, avec une machine dedans du sang. Sachant que lui, il a des cœurs rouges. Ah mais oui, mais c'est vrai que c'est devenu, c'est vraiment devenu pingre cette histoire. Ok. On va tester. Est-ce qu'il est aussi connard que l'autre? Visiblement oui. Attends, est-ce qu'ils sont jumeaux les mecs? Ils donnent les mêmes coffres à chier ou? Ah non. Ok, bon, déjà là, ça vaut le coup. Ok, déjà là, ça vaut le coup. Tiens, maintenant, on sort. Comme ça, ça vaut le coup, c'est reset pour le... Pour le hors-glace. Je l'éloigne. Mais c'est vrai! J'avais oublié. J'ai oublié que j'avais ça. Ça arrive à tout le monde d'oublier. Surtout à moi. Tiens. Gagner. Bon, clairement, il est beaucoup moins radin que son frérot, lui, déjà. Beaucoup moins radin que son frérot. Qui en reset un peu, là. Si c'est de la merde, je roll back. D'accord. Ok.
Bon, maintenant. Ok. Bon. Intéressant cette histoire. Pas complètement inutile. Pas complètement inutile tout ça. On sera bien senti. C'est parti. Peu importe qui a le. Qui a eu le pollen, j'espère. Mais c'est bon. On va voir que deux parties vu le rythme. Bah franchement oui hein, mais. Jacob et Ezo, hein. C'est Jacob et Ezo. Ce que je lise moi. C'est Jacob et Ezo. Ils sont vraiment à chier. Duality super. Soin clair quoi. Ok. Alors, le Lucky Up, il faut que je le donne à Jacob. Je l'ai donné à Ezo, voilà. Encore une fois, je l'ai pris pour Jacob. Le Tears Up, il faut que je le donne à... Ah, ce serait bien pour Jacob, pour le coup. Ah non. De toute façon, ça change rien. Bah, pour Ezo, alors. Pour Ezo. Et pour Ezo. Duality, on s'en fout. On s'en fout, d'accord, ok. Bon, on va d'abord faire Blue Baby. Blue Baby, puis ensuite Méga Satan, si on y arrive. Enfin, Méga Satan, c'est pas gagné, mais bon. Enfin, quand on balance la max, on rigole pas. Hein. Un L-Sub, pourquoi pas, pour mon ami Jacob. Le sprinkler, en vrai, ça peut être un bon délire contre Méga Satan, cela dit. Hein. On met le sprinkler en plein milieu de la, en plein milieu de la room, là. Et voilà. On sera mieux. Ah ouais, ça rigole pas. Avec toute la luck que j'ai, je vais avoir des trucs à tout va. Ok, la prior card, pourquoi pas. Ah oui, j'ai la carte batterie, donc ça l'utilise instantanément. Encore un petit arnaqueur. Ah bah en vrai, ça se fait, hein. En vrai, ça se fait, le petit arnaqueur. Parce que de toute façon, s'il me donne que de la merde... S'il me donne que de la merde, j'ai qu'à me TP back, hein. Ok. Deux clés pour un cœur, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus ouf. On attend, on attend. Ouh. Encore un bon petit tears up. Ok. Encore lui donner à lui, hein. Et je me barre. Je garde le reste de mes clés. Let's go. Merde. C'est pas grave. Ok. Lord of the Fly, ah oh ouais. Ouais. Là normalement les deux volent, non? Ah non, il manque encore une mouche. Merde, je pensais que j'avais tout. Putain, il veut pas disparaître ce trinket de merde, là. Heureusement qu'il est là. Hein. Oh là là. Ah, la bombe atomique qu'on envoie dès qu'on arrive dans une salle. C'est pas ouf, mais je vais aspirer ce trinket, hein. Faut bien. Ok. Oh là là. Ah, encore un locust. Et pas les moindres, ceux-ci. Fairy Lotions for Space Bar Items. Ah, cela dit,
Je suis pas contre ça non plus, bah tu sais quoi, mon réseau. Tu vas le prendre. Ça c'est... le nombre d'objets qu'on a eu quand même déjà. C'est quand je dis ça qu'ils ont décidé de ne plus jamais apparaître. Quoi? Pourquoi est-ce que vous spittez comme ça? Pour quelle raison, bordel? Encore un objet de Zodiac, peu importe lequel en vrai. Je vais le mettre sur, sur Jacob. Super Green, on s'en fout. Fingerbone, je m'en fous un peu. Je vais quand même par contre absorber ça. Oh nice. On s'en fout. Et ça, prevents active item from charging. Chance to spawn little battery when clearing the room. Quoi, mais c'est trop bizarre. Alors je vois à quoi ça peut servir, mais c'est trop bizarre. Ça non, pour moi ça non, mais... ok, c'est très très situationnel ça. Voilà, ne pas se faire toucher, c'est le miracle. Hein. Quoi? J'ai même pas vu ce qui m'a touché. Certainement son œil. J'étais trop concentré sur lui. On a fait chier. Voilà. Allez, mon spé. Oh, tu trouves meilleur? Alors, Holy Water, c'est très bien, mais cycler pour ça? Cycler pour ça, frérot, c'est non. Cycler pour ça... Ah, 7 même, voilà. Cycler pour ça, c'est non. Oh, y a, y a, y a. Ah ouais, alors ça devient sérieux cette histoire. Hein. Ça devient réel. Nightlight. Oh, je suis pas fan. Ça va me foutre dans la merde contre Mega Satan. Ça va ralentir ses larmes dans un pattern bizarre et j'arriverai plus à les esquiver. Déjà que de base, je vais pas réussir à les esquiver, alors là. Quoi? What the fuck? On peut le faire en diagonale? C'est énorme! Ah, c'est trop drôle, Gemini, il reste là. J'ai même pas fait gaffe. Alors, c'est très tardif, mais... When a room with a mist point cracks on the ground... Ah ouais, non, ça c'est... Ça a déjà fait bugger le jeu, j'ai plus envie que ça le refasse. Après, normalement, ça fait pas bugger le jeu si on reste avec le même perso, mais... Ouais, ok. Ouais, vas-y. Normalement, ça fera pas bugger le jeu, là. Ok, allez, c'est parti. Pour Blue Baby, normalement, Blue Baby, c'est gratos. Right. Très très bon objet aussi, putain, il fallait vraiment que je fasse Jacob et Ezo avant en vrai. Je peux vous mentir que Delirium j'y crois zéro. Delirium avec ce stop c'est pas possible.
Méga Satan en revanche, c'est jouable. Méga Satan, c'est jouable. Il manque pas qu'un item pour le Dress the Fly, si, si. Encore je le trouve. La salle de l'angoisse. Je sais pas qui, quel tir est à moi, quel tir est pas à moi, je comprends plus rien. Ok, franchement, me prendre des dégâts pour rien dans cette salle, ça fait chier, mais bon. Mais quelle angoisse! Oh oui, il est où? Il est là? C'est lui? Ok. J'ai pas code join encore? Je crois que je l'avais. C'est pas grave. Je suis à 2 sur 3 alors. Je sais pas combien de salles il reste. Dans le doute, je garde mon ma box of trinkets. Ah bah j'ai bien fait. Oh j'ai trop bien fait. J'ai trop trop bien fait. En vrai, c'est illisible hein, par contre ce qui se passe à l'écran, mais. Ok. Oula. Ok. Faut que j'utilise toutes mes clés restantes pour quelque chose, hein. J'ai trop de clés, donc je vais m'en servir. Je vais aller prendre Holy Water. Ça, j'en veux pas. C'est quoi que je voulais? C'est là-bas, non? Oui, voilà. C'est jamais, hein. Petit cœur gris, de temps en temps. Ah non. Vraiment la vie me déteste quoi. Ok, du coup ouais je vais faire ça. Parce que le petit bégard de clé, on sait très bien ce qu'il nous donnait. Et qui va prendre la vie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils sont à 7 tous les deux. Du coup... c'est lui qui prendra. C'est lui qui prend et l'autre il va se soigner d'un cœur rouge et voilà. On va lui donner bien sûr la dernière clé. Hein? Mais il ne donne pas la même chose que tout à l'heure. Oh, ok. Merde, je pensais qu'il donnerait la même chose que tout à l'heure, moi. Bah, let's go. Ah bah, super. Putain, du coup, c'est différent ce qu'il drop. Oh. Ok. On peut tester les pilules, hein. Si elles sont nulles, je reroll. Ok. Ok. On a The Devil pour devenir plus fort pendant le boss. Ah, ce sera peut-être plus intelligent de le donner à Ezo, ça. Plutôt de le donner à Ezo, vu qu'il tire en permanence. On s'en fout de son objet, d'ailleurs. Quoique. Si on a derrière Delirium encore. Ouais, c'est tant jamais. J'ai aucun trinket qui peut me servir contre le boss, là. Oh putain de merde! Ok, c'est bon, j'ai réussi. Ok!
Purée, la pomme de terre. Bon, à partir de maintenant... J'ai le choix. On va pas y aller. Il vomit. Hein, quoi? Mais il y a des fois, j'ai l'impression que mes persos ils se poussent. Je comprends rien. Quoi? Oh le bâtard, quel fils de chien! Quoi? Deuxième chance. Je comprends rien. Je comprends vraiment rien. Je peux vous mentir. Je sais pas comme j'ai derrière moi. Ah oui, ça, s'en fout. C'est vraiment très dur. Hein. Très très dur à jouer. C'est dur d'esquiver avec ce perso de con. La chatte! Putain, j'ai laissé limiter. J'ai laissé limiter grâce à mon objet. Ce serait bien que j'arrête de me faire toucher par contre. Je disais donc. Je sais pas ce qui me touche. J'ai aucune idée de ce qui me touche. J'ai aucune idée de ce qui me touche, hein. C'est horrible. De merde. J'ai vraiment aucune idée de ce qui me touche, hein. C'est horrible.
skill up ça. Hein. Hein, quoi? Je m'en fous, j'ai autant d'essais que je veux. C'est vraiment horrible, hein, Jacob et Ezo. Mais c'est vrai que, par contre... D'ailleurs, en fait, Sprinkler, si je le mets sur Ezo, je suis dans la merde parce que je pourrais pas... Je pourrais pas recharger ma Hourglass. Je pourrais pas recharger ma Hourglass. C'est horrible, mais c'est comme ça. Parce que ma Hourglass... se chargera qu'une seule fois, sinon. Après, techniquement... Ouais, non, je peux pas. Je peux pas. Le Sprinkler a l'air de 30 confus plus qu'autre chose. Bah, c'est vrai que, ouais, avec Jacob, c'est un peu chier, hein, du coup. Hein. Je sais pas quoi faire. Il faut juste que j'ai plus de chance au niveau des patterns. Hein. Déjà, si j'ai raté, elle est une merde, c'est pas mal. Oh putain, arrêtez de vous split comme ça, pitié. Déjà j'ai pris beaucoup moins de dégâts. Hein. C'est jouable, hein, c'est jouable. Pas YouTube. J'ai quasiment rien pris encore. C'est bien jouable. C'est réel. C'est réel, mesdames et messieurs. C'est gagné, putain. C'est putain de gagné. Let's go. Je gagne énormément. Voilà. Ma bite. Putain, quel enfer. Heureusement qu'on avait la hors-glace. Hein. Pas de DD, ouais. Pas de DD, mais je vais pas vous mentir que de toute façon, DD avec ce stuff, c'était... c'était quasi peine perdue. Après, il aurait fallu voir les objets de boss. Putain, tout ça pour débloquer quoi? Bon, en boss fight, oui, c'est très bien. Mais Illusion Baby, quoi. On débloque un bébé. Ah, quelle vie. Putain, mais incroyable cette soirée, Jacob Ezo, regardez. Quasiment, quasiment fait plus de la moitié, là. Ah, ça s'est trop bien passé, je suis trop content. Bon, on a passé une soirée entière sur deux parties, hein. Une soirée entière sur deux tipards, mais, quelle partie? Si je peux me permettre, quand même, super partie, comme dirait Thierry Bégaro. 4 heures de stream. Bon, 3h30 d'Isaac pour ça. 3h30 d'Isaac pour deux parties Jacob Ezo. Oh, mais on en a bientôt fini avec cette merde. Oh, let's go. Oh, Gridur, j'ai hâte. En glace plus habit, meilleur combo. Bah là, il faut admettre que... Mais c'est même pas habit, c'est Jumper Cables. C'est Jumper Cables qui ont carry. Putain, je suis trop content parce qu'en plus, on a vraiment débloqué des objets de fou. Hein. Là, l'échelle, là, qui est dans les God Deal, c'est incroyable. Il y a plein de trucs qui sont vraiment très très forts. Jacob et Ezo, j'avais oublié que débloquer leurs objets, c'était une bonne option.
J'ai bien fait, hein. Putain, et au final, en plus, ce qui est énorme, c'est qu'on a fait... Là, typiquement, je suis sur un Jacob et Ezo streak de 2. Je pense que c'est un record du monde, hein. Personne n'a jamais réussi à gagner 2 parties de Jacob et Ezo d'affilée, je pense. Vu le perso... bon, évidemment, je rigole. Allez, YouTube, des bisous. J'espère que tu as apprécié cette heure 53. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais vraiment beaucoup, je pense. Bisous, YouTube. À bientôt, quoi. Laisse un commentaire... Non. Salut, mon...